championnat, parce que c'était la première et ça faisait un bon moment que le Real Madrid ne l'avait pas gagné, et en plus avec mon club de cœur qui est le Real. Il y en a eu. Après, un que je préfère, c'est un que j'ai mis en championnat contre Osasuna, où c'est un centre de Cristiano, un deuxième poteau, et je reprends reprise de volée dans la lucarne. Maintenant, quand je vais chez le coiffeur, c'est comme d'hab. Hein. Je lui dis comme d'hab, parce que j'ai un seul coiffeur et il n'y a qu'un seul coiffeur qui me touche. Donc voilà. On va dire, déjà la veille, je me repose bien, je mange bien. Après, je me lève, je prends mon petit déjeuner. Après, il y a le déjeuner. Ensuite, on se repose. Ensuite, on part au stade. Après, dans le bus, j'écoute ma musique tranquille. Je parle un peu avec mes proches sur le téléphone. J'arrive au stade, toujours la musique. Je me prépare, massage. Je fais des strappings aux chevilles. Je fais un peu de vélo, je m'étire un peu. Et 10 minutes avant d'entrer sur la pelouse, j'enlève le casque. Et là, je me mets dans une concentration. Là, je me concentre. Et j'essaye déjà de me mettre dans les meilleures conditions en préparant mon match, tout seul, tranquillement. لو عايز تتفرج على حلقات كمان مع نجوم كرة قدم عالميين من الباربر شوب او صالون الحلاقة مع نيفيا مان فهتلاقي الفيديوهات هنا وما تنساش تعمل سبسكرايب واشتراك للقناة هنا ولايك للفيديو